Bonjour, soyez bienvenus sur France 3 Paris-Île-de-France pour votre émission Dimanche en politique. Nous sommes dans le quartier de Paris-Bercy. Les parcs naturels régionaux y fêtent leurs 50 ans. Des parcs qui ont été créés dans les années 60-70 pour sauvegarder le végétal face à l'expansion urbaine galopante. L'étalement urbain, c'est justement le thème de ce Dimanche en politique. Regardez cette animation de la New York University. Elle montre la croissance de la population francilienne et son implantation, explosion de l'urbain à partir des années 60. C'est l'époque des grands ensembles. Et puis on voit qu'à partir des années 80, eh bien le périurbain connaît une arrivée massive de population. C'est le fameux mythe du pavillon. Alors que 8 Français sur 10 choisiraient le logement individuel s'ils en avaient le choix, le rêve de la petite maison avec jardin fait-il désormais partie du passé? Notre expansion urbaine serait en tout cas sous contrôle. Nos villes se densifient. Et pourtant, les conflits avec le monde agricole perdurent. C'est le cas en ce moment sur le plateau de Saclay ou encore à Gonesse. C'est ce que l'on verra. Nous en parlerons dans quelques instants avec nos invités. Mais d'abord, nous allons faire un état des lieux avec le directeur de l'Agence d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France. Bonjour, Fouad Awada. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement dans ce quartier. Lorsque l'on évoque l'aménagement du territoire en Île-de-France, il y a un document qui fait foi, c'est le SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France. Il a été renouvelé en 2013, exact. Ça avait été déjà le cas en 1994 et en 1976. Il y avait déjà à cette époque la volonté d'aménager le territoire. Comment se fait-il qu'on ait eu ces phases d'expansion urbaine? On n'était pas dans la même philosophie à l'époque, hein. Pas du tout. Nous n'étions pas dans la même philosophie pour une raison très simple, c'est que les défis de l'époque, des années 60, ne sont pas du tout les mêmes que ceux des années 2000. Dans les années 60, il y avait à peu près 1 million d'habitants de plus dans Paris, dans un parc de logements qui manquait de confort. Il y avait une banlieue qui était essentiellement des zones industrielles avec beaucoup de bidonvilles. Il y avait un entassement et donc l'objectif de l'époque, et une croissance démographique très forte. Donc l'objectif de l'époque, c'était de moderniser l'offre de logement, de loger tout le monde, de dédensifier. Et donc c'est là qu'il y a eu les villes nouvelles, les RER et l'organisation de la banlieue, les préfectures nouvelles en petite avec les Aujourd'hui, les défis sont tout à fait autres. Cet effort a été accompli. Donc les transports, la région est organisée. Les défis aujourd'hui, ils sont climatiques, ils sont énergétiques. Ils sont alimentaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne consomme plus autant, on ne consomme beaucoup moins de terres agricoles aujourd'hui que dans le passé. Exactement. C'est-à-dire que nous avons eu la conjonction, d'une part, de devoir faire cet effort de politique publique de moins consommer d'espace agricole et naturel, et en même temps, la chance d'avoir un gisement foncier important au sein de la zone agglomérée, qui étaient les anciennes zones industrielles. Et nous sommes sur l'une d'entre elles aujourd'hui, au milieu de ce parc de Bercy. Ce SDRIF, ce schéma directeur de la région, qu'est-ce qui nous garantit qu'il est respecté? On a sanctuarisé notamment des zones agricoles. Écoutez, la région Île-de-France est la seule de France à avoir un schéma directeur qui précise où est-ce qu'on n'a pas le droit du tout d'urbaniser. Même si les maires le veulent, ils ne le peuvent pas. Et ça depuis 1976. Donc c'est une restriction extrêmement puissante. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que la région Île-de-France, qui fait 18% de la population française, ne représente que 5% de la surface urbanisée en France. Donc c'est un document qui est appliqué. Le tout, c'est que la marge que l'on donne aux maires à urbaniser, qu'ils l'utilisent sans la gaspiller, c'est-à-dire en prenant des formes urbaines moins consommatrices d'espace. Un peu plus dense, un peu plus compact. La logique, c'est la densification. J'aimerais qu'on voit des images d'un nouveau quartier parisien. C'est le quartier qui est situé sur la rive gauche de la Seine, entre la bibliothèque François Mitterrand, autour de la bibliothèque gauche, François, oui. Mitterrand, entre Austerlitz et les Maréchaux. Il y a des immeubles de forte densité, 15-16 étages, sans que cela soit trop massif. On a des lieux de respiration, il y a du verre. Au passage, on a réhabilité le patrimoine industriel existant. Les activités de commerce, de bureaux, de logements et même des universités sont mélangées. Et puis tout ça, c'est desservi par les transports. Et en plus, on a profité pour récupérer du foncier sur l'emprise SNCF. C'est ça, le quartier d'aujourd'hui. C'est un petit peu un condensé de ce qui se fait aujourd'hui, ce quartier. Vous avez parlé que la solution, c'est la densification. Il faut nuancer votre propos. La solution n'est pas toujours la densification. Et le modèle de Paris-Rive Gauche, qui est une réussite, n'est pas pour autant le modèle absolu. Il ne peut pas y avoir de modèle absolu en la matière. Nous devons faire un effort dans tous les types de milieux. Quand vous êtes dans un petit village d'Île-de-France, vous devez
faire un effort de compacité. Mais vous n'allez pas changer le caractère du village. Il va rester village. Quand nous sommes dans un parc naturel régional, on ne va pas faire des tours. Donc la question, c'est comment consommer moins d'espace agricole et naturel selon l'endroit où on se trouve. Donc la Zaxenrie gauche peut être un exemple pour un milieu urbain dense, mais est un très mauvais exemple si on veut l'appliquer à Montfort-l'Amaury ou si on veut l'appliquer à Saint-Rémy-les-Chevreuses. La densification dans ces territoires est beaucoup plus faible. C'est-à-dire, là, il faut mieux parler de compacité dans le même modèle, occuper les dents creuses. Creuses, c'est ces territoires entre deux immeubles, par exemple. Voilà, vous avez dans une petite ville ou dans un village des petits terrains qui, jusqu'à il y a un passé récent, étaient déclarés inconstructibles parce que trop petits. Eh bien, on peut réfléchir à des manières de les occuper et ne pas les délaisser en terrain souvent vague à l'intérieur des villes. Un mot pour conclure. Nos villes se verdissent actuellement. Oui. On met du vert un peu partout. C'est pour rendre l'urbanité beaucoup plus acceptable ou est-ce qu'il y a une volonté aussi de lutter contre les îlots de chaleur qui sont générés par la densification ? Je vous ai dit que nous avons un défi énergétique et climatique. Le défi énergétique, c'est aussi de faire en sorte que la mobilité ne se fasse pas sur des distances trop longues. Et ça, c'est la densité, c'est la compacité qui le fait. En revanche, lorsque nous faisons dense et même très dense, se pose un problème qui est que la minéralisation dans les villes extrêmement denses crée ce qu'on appelle les îlots de chaleur. C'est-à-dire on peut étouffer, on peut avoir même des décès dus à ces îlots de chaleur durant l'été et les canicules. Et donc, il est essentiel de lutter contre l'imperméabilisation, de faire entrer le végétal, de faire de la nature en ville là où on a fait très dense. C'est une mesure de compensation de la minéralisation qu'on génère. Merci beaucoup, Fouad Avouada, pour votre éclairage.